Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans notre tour de France des éleveurs, nous arrêtons chez Bruno Vagne dans l'Allier, pas très loin de Moulins à Souvigny. On va le voir dans un instant et il va nous parler de génération. Alors bonjour Bruno, j'espère que tu vas bien. Tu voulais nous parler de génération aujourd'hui et notamment de deux de tes juments, une dessinée et une époque, mais pourquoi ? Alors voilà, je voulais vous parler de ces deux juments parce que c'est les deux juments phares de mon élevage. J'ai eu la chance exceptionnelle de gagner à 15 jours d'intervalle deux groupes 3 avec ces deux juments. 2013, le prix Citage et le prix André Michel. À Auteuil. À Auteuil, chacune, donc ce qui pour un même élevage est quand même très rare. Et j'aurais pu associer également Concerto d'Alène qui m'a fait une très belle année. Et cette continuité des femelles, en fait, c'est ce que je voulais vous raconter, elle date depuis la naissance d'une jument qui s'appelle Dalila, qui est une ancêtre commune à toutes ces juments-là. Et qui est la jument base de ton qui élevage. Qui est la jument de base de mon élevage, qui est née. Qui est le premier pouliche né de l'élevage d'une jument que mon père avait acheté qui s'appelait Scarlett Ash. Scarlett Ash est morte en mettant Dalila au monde. En quelle année ? En 1969. Et mon père a élevé cette petite pouliche au biberon. Qui a donc tracé ? Qui a donc tracé et donné toute cette grande histoire de l'élevage, qui est constitué ici. Et qui aboutit notamment avec ces deux gagnantes de groupe à Auteuil. Donc vous voyez qu'il y a une continuité dans l'histoire qui est très très longue, oui. Puisqu'elle s'étale aujourd'hui quasiment à 50 ans. Et voilà, alors c'est aussi un signe de l'élevage, la continuité, puisque dernier signe de continuité, cette année ça fait exactement 25 ans que les chevaux de l'élevage sont associés à l'entraînement de Philippe Pelletier. Donc qui a connu ces juments-là, leur mère. Et pour certaines même la grand-mère. Voilà, donc c'est une continuité d'élevage et c'est comme ça que l'on conçoit l'élevage ici. Quels sont tes meilleurs souvenirs justement avec Philippe Pelletier ? Ah bah avec Philippe Pelletier, c'est peut-être aujourd'hui quand même cette victoire du prix André Michel avec une destinée. Parce que j'avais beaucoup d'amis ce jour-là à Auteuil et on était pratiquement une vingtaine sur la photo d'arrivée. Et donc c'était un grand moment qu'on a partagé tous ensemble. Et c'est ça les courses qu'on aime. Merci Bruno.